Avant l'église Saint-Pierre, Palmante a accueilli premier parti funérail national ancien représentant, première circonscription Port-au-Prince en bas bannière mouvement ouvrier paysan MOP à coalition FNCD. Président Chambasla Jean Tholbert Alexis a les départs pour l'éternité et Ernst Pedro Casséus l'a dit qu'il était marqué passager comme président bureau dans la 45e législature, ensuite comme président commission agriculture dans la 46e législature. La mort Ernst Pedro Casséus plonge Palmante dans un gros deuil à cause de divers services pays et modalité représentée pour nation pour jeunesse là selon député Jean Tholbert Alexis. L'Iténamico Villeneuve Joseph à Colin Île-d'Orest. L'honorable Ernst Pedro Casséus, député des 46e législature du Parlement, a rendu l'âme ce vendredi 30 dans sa résidence privée à Port-au-Prince à l'âge de 80 ans. Il est parti d'un pas soulagé d'être à bout du point nobal qui l'assujettissait depuis si longtemps aux pesanteurs de l'enveloppe. Le Parlement s'est devant la dépouille de ce temps. La chambre basse et salue son départ vers temporelle de la promenade de repos. De deuil, de tristesse et de douleur obscurcit l'hémicycle. Du haut de ses 207 ans, le Parlement pleure de grand gabarit qui a rendu un éminent service à la nation et a offert à la jeunesse un canevas de vie brodée de l'excellence et de l'exemplarité. Député président de la 49e législature par rend hommage à votre parcours de professionnels accomplis, de citoyens émérites, de pères de famille et d'hommes du monde convivial et attachants, de mandataires du peuple, aux cordes flamboyantes et à la guerre. Collègues, mesdames, messieurs, la mort rassemble ce matin autour du grand défunt pages d'hommes et de femmes des horizons de la vie nationale. Un mot d'adieu, une prière, un témoignage d'admiration et de respect, une manifestation de sympathie et de respect à l'égard de la famille éprouvée. La mort Vigaro à la défaite foudroyante nous fauche et met fin à notre histoire. Elle nous fait défiler larmoyant, l'esprit ébranlé, la conscience tourmentée, l'imagination affreuse, l'âme en peine. C'est le spectacle de notre désolation, de notre déchéance. Là sonne aux abysses, aux confins et au sommet de l'univers cosmique. Le glas sonne pour Ernst Pedro Casséus qui parle. Il sonne aussi pour nous tous. Celles qui continueront à questionner les thèses de l'eschatologie en quête d'une vérité dernière. Dans les envolées de martèle et égrègne l'évidence du départ de son irréversible, une alternative se dessine et se constitue. L'exploit du Christ, vainqueur de la mort, le mementum. Cantonnent les chrétiens dans les cérémonies funèbres, cette donne prophétique consignée dans la mémoire des saints et dans leur livre sacré du Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Cette nouvelle renverse la fatalité existentielle. Elle assème l'espoir, l'espoir pour tous et pour chacun de vivre éternellement. Alors que certains psalmistes faisaient de la mort le point final de l'aventure humaine, ô homme, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Éternel, qui te louera dans le jour des morts, écrivait-il sous de l'inspiration. Au fait, les deux thèses, celle de la vie éternelle et celle de la vie éternelle, nous plongent dans une ambivalence qui vire au drame. La dramaturgie de l'homme se fonde sur une incertitude, un sens, un déficit jamais comblé, traduit par des mythes et des hyperboles compensatoires. D'aucuns ont parlé de l'âge d'or, du paradis perdu, du Dieu tombé qui se souvient des cieux. Il y a une nostalgie d'un monde virtuel enfoui dans le cumul des âges ou dans le creux de l'immesurable. L'existence se nourrit de contradictions. Elle s'apparente à ce combat, à ce débat qui tiennent l'homme prisonnier de ses fantasmes de grandeur et de sa certitude de déchéance matérielle.